Salut à tous, bienvenue sur Direct Snap, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Fares Salvatore. Gros débat aujourd'hui avec Fares Salvatore et ses potes. Comme d'habitude, le sujet qui leur pose le plus de désaccords, c'est les femmes, évidemment. Du coup, aujourd'hui, ils se posent la question si plus tard, ils veulent une femme au foyer qui s'occupe des enfants et qui reste à la maison, etc., etc., ou plutôt, une femme qui a un travail et qui gagne sa vie comme tout le monde. Vous verrez que les avis sont plutôt partagés. Mais bon, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout ça. Bonne vidéo à tous. Le débat, c'est tous les jours, tu te casses le dos, tu vas travailler pour mettre de côté, pour faire un mariage à 15 000 euros, pour avoir une bonne situation avec ta future femme dans un appartement, t'as des meubles et tout. Mais par contre, quand vous faites des sorties, elle est un peu bonne. En gros, quand vous sortez, elle a un gros cul bombé et les pélos, en gros, ils voient et tout, ils chavent et tout. Ah, faut que je me mette derrière elle. Ah, en gros, faut que tu marches derrière, t'es long. Et tu marches derrière ses fesses et tu regardes à gauche, à droite. Comment tu ressens la situation? Qu'est-ce que tu ferais? Ah, j'ai une tension phénoménale. Personnellement, t'as cher la mort. J'ai une veine ici qui tape là, bien fort et tout. Je l'aime comment? Refus complet. Ouais. Refus d'obtempérer, c'est impossible. Et en gros, elle te dit ouais, mais vas-y, là j'ai faim, mon ventre il fait du breakdance, donc j'allais manger. On sort, mais tu caches tes formes. C'est impossible. Elle te dit ouais, mais c'est pas la dictature, je vais pas cacher mon corps non plus. Bah, moi je suis comme ça, donc elle se plie aux règles. Enfin. Et Non. Essaye pas, non. Attends, tu vas travailler tout le matin de 6h du matin jusqu'à 13h. Et quand tu reviens, tu vas faire une petite sortie pour lui faire plaisir. et d'un coup, en gros, elle est chère, bonne argent. Elle te fait bon, allez, on sort. Et quand elle est chez toi, c'est un gros monstre, la Dernouna. Elle bat avec toi, elle fait. Julian a fait une remarque, nous t'écoutons, Julian. Moi, j'ai dit que si par exemple ta femme elle sort et elle monte ses formes, ouais, c'est un peu pour plaire aux autres quand même. Et si elle te dit non, en gros, c'est parce que j'ai envie de me faire belle, c'est pour moi. Pour te faire plaisir aussi, toi t'aimerais bien qu'on te voit avec une femme qui est super belle, qui est bien apprêtée et tout ça. Moi ce qui se passe, ça reste à la maison, y a pas de dehors. Quand tu dis ce qui se passe, c'est que t'insinues quand tu vas lui manger ses Non, mais pour de vrai, elle doit me plaire, mais à la maison. Elle plus aux autres, c'est le dehors, tout le monde peut la chaper. On est d'accord. Ouais, non, moi je suis complètement d'accord. Parce que moi personnellement, si moi vous voulez avoir mon avis, je lui prends sa tête, je lui craque la nuque, je lui dis t'es morte maintenant, sale pute, t'es pas bonne que pour moi. Après, je lui fais l'amour pendant que son corps il est chaud. Et après, quand t'as refroidi, c'est un cadavre, et je dis elle est morte. Voilà. Ça, c'est moi, c'est mon point de vue. Toi, tu laisses, toi? Moi, je pense que c'est une question d'éducation. Ah. Dans leur tête, c'est pas un problème, parce qu'elles ont été élevées comme ça. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que t'insinues que leurs mères sont des putes? Non, je suis juste que l'éducation a été. N'a pas été carrée. Ouais, c'est vrai, je trouve. Après, il y a des meufs, elles sont super bonnes, super fraîches, tout ce que tu vois leurs fesses et tout ça. Mais un bisou, t'arrives pas à l'avoir. Alors qu'il y a des meufs, tu vois pas leur forme, tu vois rien du tout. Tu lui tapes juste la bise pour lui dire bonjour et tu fais ok, je te suce. Ouais, mais là, oui, ça veut rien dire, c'est vrai. Ça veut un peu rien c'est dire. C'est pas le débat là. Là, tu vois une chose de débat. Ah, je sais pas, j'ai voulu vriller comme ça. Ça en fait, je trouvais que mes propos ils étaient stylés. Ouais, c'est vrai. C'était stylé quand même. Est-ce que t'accepterais d'avoir une meuf comme toi t'es? Ton équivalent. En gros, tais-toi, c'est juste que t'as plus de zizi et t'as des cheveux longs. C'est tout pareil, c'est. Ouais, Amine. Tout quoi? Arrête de faire le pelot. Arrête de croire que t'es dans Aladdin, j'ai pas de grosses poils dans ta tête. Ouh, prince Aladdin. Ouais, c'est pas possible. Donc? Bah, donc non, en fait, non. Dans le caractère, ouais, c'est pareil, mais par contre, moi, j'ai pas de ma famille le travail. C'est pas possible. Ouais, fais chier. Yeah, je suis gamin, allez! Vas-y, bah, tu veux pas que elle fait quoi là, ta femme? Ah, mais elle travaille, mais. Les hommes la voient! C'est ta femme, mais les hommes la voient quand elle travaille! Arrête, quand elle travaille, ça se voit, elle va travailler le matin, c'est sûr à 1000%! Ta gueule, dame! Personne l'a regardé! Elle se sert à 1000%, il y a au moins 5 hommes dans la journée! Il y a au moins 5 hommes dans la journée, ils vont dire: oh, elle est chère! Et ta question? Est-ce que tu accepterais que ta femme travaille? Moi, personnellement, ça dépend. Ça dépend le travail. Bah si, parce que elle peut te combler dans ton travail à toi, sans forcément qu'elle soit en contact. Non, c'est pas ça ma question. En gros, est-ce que j'accepterais qu'elle travaille dans un milieu avec des gros hommes? Non! Oh là là, elle est trop fraîche celle-là! Ouais, ça, est-ce que j'accepterais? Bien sûr que non. Oui, d'accord. Bien sûr que non. Mais est-ce que j'accepterais que ma femme ait un salaire? Oui, sans forcément qu'il y ait des hommes qui se disent
disent oh, hey, j'ai envie de l'attraper par les cheveux, cette grosse chèvre. Oui, ça, je sais. Non, que d'accord. Ouais. On enlève le fait qu'elle peut travailler pour toi et tout, ouais, et notre prise elle travaille pour toi. Juste, elle travaille tout court. En gros, un en gros, pour le trajet, elle peut voir des hommes, au travail, elle peut voir des hommes, ça, ouais, en rentrant, en allant manger, elle peut voir des hommes. Un patron, elle a des collègues. Ouais, parce que je suis libertin. Vous deux, vous acceptez pas que votre femme travaille, c'est ça? Ouais. Vous acceptez pas. Ouais, ok. Imagine, en gros, toute ta vie, tu fais ça. Toute ta vie, tu lui dis, vas-y, t'inquiète, reste à la maison, c'est moi. Je ramène le salaire, elle juste, elle est chez toi, elle te fait à manger, elle s'occupe des enfants. En gros, elle s'est fait belle pour quand tu rentres. En gros, elle s'est bien fait à mon bébé, fait sa belle. Elle te fait tout bien et tout, fait sa belle et tout ça. Tu fais ça pendant 10 ans et au bout de 10 ans, tu te rends compte que les 3 enfants que t'as, c'est pas les tiens, toi t'es stérile avec un autre homme. Pendant que toi t'allais au travail, elle se faisait trancher par un autre homme. Ah bah oui, bah là j'ouvre le store. Qu'est-ce que tu fais? Ça, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais? T'apprends que t'en fait t'étais stérile et les 3 enfants ils sont d'un autre homme et pendant que toi tu le disais reste ici, c'est moi je veux travailler, en fait elle te trompait. Et j'ai Dieu ou pas? En gros je crois pas en Dieu et tout. Non, là actuel, c'est maintenant, là c'est tout de suite, là vas-y. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux d'abord savoir moi ce que je fais? Vas-y, tu fais quoi toi? Moi je pense. Oh, Wallah, crime passionnel. Je pense que je peux la tuer moi. Ah, c'est pourquoi? Non, mais c'est pourquoi? Parce que ça dépend de chaque personne, de comment t'aimes. Comment tu t'ouvres à une personne et comment. Tes armes au niveau de tes sentiments, à quel point tu te donnes. Il y a des gens, ils vont être avec une femme, ils peuvent se donner des armes à 60%. Et si tu lui fais la zèle, ils vont dire oh, c'est la vie, c'est le mec et tout. Mais t'es si tu te donnes à 100%. Au bout de 10 ans, t'apprends que. En fait, les 3 enfants que t'as, c'est pas les tiens. Ouais, mais attends, moi, je te trompais. Et tous les jours, elle te faisait ça va mon bébé? Moi, tous les jours, elle a 7 mentir. Attends, quand vous mangez. Elle est là avec ta mère, elle parle avec ta mère et okay, tout. D'accord. Et en gros, pendant tout ce moment-là, elle se fait troncher par un vélo. Ouais, et puis lui, il dit oh, t'aimes ça, hein. Et elle, en gros, et toi, Zarma, tu t'embrasses son ventre. Tu dis oh mon bébé. Et elle sait. D'accord. Elle sait, oui, c'était pas ton zizi. D'accord. C'était celui d'un autre homme. Elle te regarde dans les yeux, elle te dit tu veux quelque chose, mon chat. Tout ça, dis tout ça, tout ça. 10 ans de relation pour rien, 3 enfants. 10 ans de relation pour rien, 3 enfants dans le vent, tu la tues, tu vas en prison. Ouais. Tu reprends 15 ans, 20 ans. Ouais. Tu ressors, t'as quel âge? 70 ans et t'as la pire vie du monde. Ah, mais ça, moi personnellement, me connaissant, en gros, je pense crime passionnel. Ouais, mais ok, mais donc t'as. Parce que ça, tu veux faire quoi? En gros, t'as tout. Je sais pas, t'as mis de côté, t'as investi tes entreprises, t'as acheté des appartements, des maisons par rapport à elle, par rapport à tes enfants et tout ça. À la fin que t'apprends, c'est ni tes enfants, c'est ni ta femme. En fait, tu te dis, mais. Et pendant. Tu sais, c'est pas genre au bout de 1 an, c'est au bout de 10 ans que t'apprends. Tu fais quoi ça? Je la tue, ça, je pense. Hein. Toi, tu fais quoi, ça? Ça, je la mets dans le congélateur. Hein. Non, mais ça, pour de vrai, mais c'est vrai. Non, c'est pour de vrai, tout ça. Tu peux la mettre dans le congélateur. Plus, j'ai besoin. Non, mais vas-y, attends. Quand t'apprends, là, en gros, t'apprends le truc et là, tu rentres. Là, tu rentres du travail, t'as appris ça et tout, tu vas la voir, là. Ouais. Elle te voit au loin, elle te fait chérie. Et là, tu vas la voir. Tu rentres du travail, t'ouvres la porte, elle est devant toi, tu sais tout, là. Ouais. Tu fais quoi? Ça fait 10 ans que vous êtes ensemble, les 3 enfants qui vont venir, c'est pas tes enfants. Ouais. Et même s'il y en a, ils vont dire si, c'est les termes que tu les as élevés comme si. Ce n'est pas ton spermatozoïde. Ouais, voilà. C'est pas tes gènes. Voilà. Il pas tes gènes. Ouais, voilà. Tu vois, ouais. Si toi t'étais fort au foot, bah lui il peut être fort au volleyball. Tu comprends pas? T'es cher fort au foot à la bosse et il dit je veux faire du ping-pong, papa. Ouais, t'as jamais eu ce gène. Comment tu le prends? Moi je prends comme une épreuve de Dieu. En mode, ouais, mais tu sais, il y a. C'est cher, c'est cher. Attends, t'as vu, parce que. Il faut avoir cher la foi, cher puissante hardcore pour te dire ok, je pardonne à c'est. Non, je pardonne pas, par contre, bah non. Là, quand tu dis c'est une épreuve de Dieu, c'est que je pardonne. Oui, je prends, en tant que. Si tu prends ça en tant qu'épreuve de Dieu, c'est-à-dire que tu dis je suis ouvert au pardon, pas. Bah oui, mais pas maintenant. Là, on a dit quand tu rentres chez toi et tout. Ouais. Je t'attends. Ah, moi, je suis un toi, qu'est-ce que tu ferais? Moi, je fais comme si je savais rien. Ouais. Et je fais un plan de fou, mais à la fin, je suis dans un congélateur, ça va. Moi, tu sais, je fais quoi? Vous savez ce que je fais? Moi, en gros, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Qu'est-ce que je fais? Je vais la voir, je lui dis, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Et je suis au courant. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Jamais vu une femme comme toi, je t'aime de tout mon cœur. J'aimerais bien qu'on fête ça. Et pour une fois, ça y est, c'est bon, on a toujours été avec les gosses et tout ça. Ce serait bien que tu les laisses à tes parents. On part en voyage pendant une semaine, mais dans un pays un peu louche. Un pays que tu peux soudoyer les gens. Les policiers, les gens, tu payes et il n'y aura pas d'enquête. Un pays bizarre. Yémen, le Yémen, le Zanzibar, t'es un tricheur bizarre. Dans
cette même période, je lui fais passer les meilleurs moments avant qu'on parte en voyage. En gros, les meilleurs moments de sa vie, je l'avais kiffé. Mais viens, pour que t'aies vu, elle parle de moi en bien dans tout son entourage. Tu vois, pour que ça, les gens ils disent c'est impossible, elle était trop bien, elle était sur un nuage avec lui, c'est vraiment dommage ce qui lui arrive à Fares et tout ça. Quand il va lui arriver son truc, hein. Que ça, les gens ils me prennent pas. Ils prennent de l'empathie, ils ont de l'empathie envers moi. Ils disent, ah, le pauvre Fares, il l'aimait tellement, ce qu'il ressentait pour elle, c'était si fort. Le sang, c'est quoi le sang? Attends, le sang. Je t'explique. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Un jour avant de partir, je vais voir ses parents. Écoutez, je suis vraiment heureux d'avoir rencontré votre fille. C'est la plus belle femme que j'ai eu au monde. Elle m'a donné 3 merveilles, 3 diamants. Je suis tellement heureux d'être avec votre fille, je suis tellement content. Et pour fêter nos 10 ans, on va partir en voyage. Et t'as vu, juste avant ça, je l'aurais mis trop bien. En gros, elle aurait eu tout. Cadeau qu'elle veut, tout. Et en gros, elle a dit à ses parents, putain, mais je l'aime trop, cet homme, c'est un truc de malade mental. Le sang, frérot. Le sang. Ouais, le sang, le sang. Attends, on arrive petit à petit. Je ferai partout. Je voulais me niquer moi, je vais te niquer ta mère. Question, quand t'es avec elle. Oh, elle a mal, c'est quand il y a le sang et tout, nous, le sang. Ça arrive. Vas-y. Parce que moi, c'est pire. Dis-moi, c'est. T'es même elle est morte, et ben. Ta mère, sa pute. Laisse jusqu'à la fin. On part en voyage, magnifique, le plus beau hôtel, la plus belle des voitures, tout bien, massage, tout ce qu'elle veut, je suis trop bien avec elle. Tu sais, je suis l'homme parfait. Le sang. Ça arrive, le sang. Ne bouge pas. Pour fêter tout ça, il y a une activité, soit en parachute. J'ai payé un mec, t'as dit de là-bas là, je le payais. Je lui ai donné un petit, je sais pas moi, un petit 30 000 euros. C'est dans un pays un peu défavorisé. T'es dit, c'est sombre, c'est obscur. Tu vois, je lui ai donné un petit 30 000 euros pour saccager un peu son parachute, tu vois ou pas. On est en haut. C'est le plus beau jour de ma vie. À 3, on saute. 1, 2, 3. Chou. Dans les airs, je lui dis, nique ta mère. Bah. Ouvrage de parachute. Et elle fait comme ça. Mais non. Elle sait pas que tu sais. Non, faut que tu le dises comme. Faut le dire dans les airs. Attends, 5 secondes avant de mourir. Ah, tu lui dis non, dans l'avion. Bébé, il marche pas mon parachute. C'est normal, la putain de ta mère. Chut. Et moi, j'arrive à sauter doucement. J'atterris. Ramassage de parachute. Comédie. Pourquoi? Comme ça. Je vais vers elle, son corps il est mort, nique ta mère sa pute. On revient en France auprès de sa famille, personne ne se doute de rien. Le pauvre Fares, il l'aimait de tout son cœur, regarde ce qui lui est arrivé. Ça c'est les gens qui lui ont porté l'œil, ils lui ont porté la haine, ils étaient tellement heureux ensemble. J'arrive, je me sens tellement mal, je verse peut-être de l'argent à ses parents. Tenez, pour combler votre manque, c'était votre fille, votre préférée, tenez. Et après, je revis ma vie comme avant. Et je suis content. Avec sa mère, la meuf. Full travail, religion, je le repentis. Désolé, je ne voulais pas faire ça, c'est un crime passionnel, elle a joué avec mon cœur. Je signe. Tu signes? Je signe, ouais. Qu'est-ce que tu en penses? J'adopte. T'as avec moi comme? Ouais, j'adopte. De merde, t'es pas en couple, t'as jamais été en couple. Tu imagines quoi, agis ton scénario? T'as pas de meuf depuis 1930. Tu imagines ça avec qui? Avec ton chat? C'est juste ça! Non, mais juste tu peux me. Je pourrais pas avoir de meuf, je suis trop compliqué. Ouais. Je te donne un exemple, par exemple, il y a une embrouille. Ouais. On va s'embrouiller. Ouais. Elle me reproche quelque chose que j'ai pas fait. Ouais. Un truc très simple. À ce qui paraît, tu m'as trompé, ça m'a dit que. C'est long de dire non, c'est pas vrai, j'ai pas fait. C'est qui t'a dit ça? Tant bien, on va le voir. Viens, on va lui demander, tu vas voir, il ment. Moi, je sais que j'ai pas fait. Elle me dit, à ce qui paraît, tu m'as trompé. Ouais. Fin de la discussion. Ouais, c'est pareil, tu m'as insulté ma mère parce que c'est long de dire non, mais c'est qui t'a dit ça? Oui, c'était ta mère.